Salut à toutes et à toutes, c'est MeoGame, on se retrouve aujourd'hui sur Evoland. J'espère que vous allez bien, moi ça va un peu mieux, je me suis remis, pas de ma maladie, mais voilà, donc enfin ça va un peu mieux. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur Evoland, alors je sais pas si j'en ferai un let's play, on verra. C'est un jeu dont j'en ai beaucoup parlé, enfin beaucoup de mes amis m'en ont parlé, c'est un très bon jeu. Il a un truc spécial, vous allez le voir tout de suite, donc je fais une nouvelle partie, et vous allez voir. Donc voilà, débloqué. Allez, c'est parti. Oula, d'accord, je peux aller que à droite. Hop, et là on va que à gauche. Voilà, d'accord. Et du coup, là, mouvement 2D. Voilà, en fait c'est ça la spécialité dans ce jeu, c'est qu'on peut se déplacer là où on veut parce qu'on a débloqué un coffre. Et au fur et à mesure que le jeu avance, on va débloquer plusieurs coffres. Et dans ces coffres, il va y avoir des bonus, des genres de bonus dans le jeu. Et c'est comme ça que le jeu va évoluer. Donc là, on va en prendre à nouveau. Scrolling. Enfin, vous voyez où vous allez, pardon. Donc là, voilà, hop. Et voilà, donc là, on voit où est-ce qu'on va. Hop, on va à droite. Un nouveau coffre et effet sonore. Et voilà, il rajoute aussi du son. Donc voilà, quand on marche, on entend les poup 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 poup. C'est assez sympa. Ah là, celui-là c'est quoi? Scrolling homogène. D'accord, donc là c'est l'écran qui... Enfin, l'écran qui bouge. C'est plus fluide, on va dire. Allez, allez, on va voir. Donc là, d'accord, donc là on peut pas. Souris, je l'ai. Hop. Voilà. On a débloqué l'épée. C'est super. Donc on peut couper. Donc on peut tuer les monstres et couper les buissons. C'est génial. Hop. Alors je crois qu'il y avait un coffre à gauche. Donc ça on peut... Non, on peut pas le couper. Et comment je... Bah en bas en fait. Attendez, je vais prendre le coffre qui est ici. Ok, super. J'aurais jamais dû le prendre. J'aurais dû le prendre après. J'espère que les monstres vont pas être en bas. Ah mais du coup, comment je fais pour aller de l'autre côté? Peut-être après, je sais pas. Bon allez, là on va tuer les monstres. Ok. Allez. Là c'est quoi? Ah, et voilà, la première musique du jeu. Premier au top 50 depuis 2012. C'est ça, ouais. Super la musique. Ah, c'est un genre. Ça me rappelle quelque chose cette musique. Ah ouais, c'est musique de Zelda, je crois. Alors je sais plus duquel, mais je crois que c'est une musique de Zelda. Ah, c'est sympa. Ça, je savais pas. Ils mettent des musiques de jeu dans ce jeu. Voilà. Mais faut que j'aille où? Ah, ok. On va redescendre. Attends, il y a un truc à gauche, non? Couper les buissons. Voilà, voilà. Et là, c'est. Trouver des étoiles. Des volantes. Tiens, tiens. Allez, hop. Ça, on les casse. Après, les étoiles. Alors, je sais pas où est-ce qu'on pourra les trouver, les étoiles. Je pense qu'il faut bien que j'ouvre l'œil pour les voir. La carte Octorax. Nouvelle carte. Ah. Pour jouer au Double Twin, c'est quoi ça? Carte. Bah, je sais pas ce que c'est. Faut que j'aille où? Moi je mets des coups d'épée dans le vent, ça sert à rien du tout. Alors on va voir où est-ce que je peux aller. Alors en bas j'y suis déjà allé. Ouais. J'ai dû louper un endroit. Forcément je ne sais pas où est-ce que c'est. Il va y avoir des buissons cachés. Enfin des. Ah, ouais, tout simplement. Et le point de sauvegarde, premier point de sauvegarde du jeu. C'est bien fait, hein. Là du coup on va fouiller un petit peu. Voilà, en haut gauche il y avait un truc. Qu'est-ce que c'est? D'accord, donc en fait parce que je crois que j'ai compris un truc. Je crois qu'en fait les étoiles et les cartes il va y avoir des cartes à collectionner normalement. Je sais pas. En fait on les trouve dans les coffres. Donc faut bien fouiller tous les coffres. Ah, c'est meilleur, c'est plus beau ça. Eh, c'est magnifique.
Ouais, magnifique, c'est pas du HD non plus, hein, c'est des pixels encore. Et là, vous voyez, on a 16 couleurs. Au maximum. Enfin, au maximum. On a 16 couleurs, c'est magnifique. Alors, je vais aller en bas. Hop. C'est plus vivant déjà. Allez. Oh, on peut glisser. Alors, attendez, j'ai pas envie de me. Hop là. Ah, une pierre. On peut pas pousser. On peut pas la pousser. On peut pas. Bon, je pense qu'on va débloquer un peu après. Ça c'est bon. Ok, alors toi, je sens qu'elle va me faire chier la chauve-souris. Ok, c'est bon. Point de sauvegarde. Je vais aller en bas. Le jeu, je crois qu'il a une durée de vie pas trop longue. Je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté 10€ sur Steam. Franchement, c'est un bon prix pour ce que c'est comme jeu. Un coffre là. Alors, c'est quoi? Ah, le titre. Ah, c'est sympa. Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde des Volordia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Et ouais mon gars, je reprends du service. Non, je rigole. Allez, on passe. Ah, l'histoire. D'accord, c'est l'histoire. Sauvegarde. Oh, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Ok, un monstre. Nouveau coffre. Et là, 256 couleurs. Waouh. Ah ouais, pas mal. Alors, je vais pas aller trop loin non plus. Je crois que j'ai oublié des trucs. Pas couper ça. Ah non. Où est-ce que je peux aller? D'ailleurs, il y a des trucs plus haut, non? Ouais, c'est ça. Oh, je regarde. Non, en bas, c'est bon. C'est là d'où on vient. Ah non. Et une étoile. Ouais, ça, en fait, elles sont un peu cachées, quoi. Alors, en bas, à droite, il n'y a rien. Non, je ne crois pas. Non. Ok. Ah, franchement, c'est plus vivant. Enfin, de toute façon, plus le jeu va avancer, plus ça va être vivant. Donc, ça va être bien. Forcément. Ok, je suis bloqué, je suis plus bloqué. Chauve-souris. Ouf, j'ai chaud. Ok. C'est quoi ça? Vous avez... Ah, panneau, ok, super. Ce chemin est réservé aux aventures agiles. Oh, je suis agile moi. Allez, qu'est-ce que t'as toi? Allez. C'est pour nous ça. Elle est sympa la musique, hein. Ça met de l'ambiance. Mouvement libre. Ah oui, regardez, en diagonale, je peux marcher. Enfin, je peux me déplacer en diagonale. C'est sympa, ça. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Oula. Et c'est le chemin vers l'est. Ok, il faut que j'aille vers l'est. Oula. Toi, tu vas me... Je sens mal. Non, je vais pas la... Je vais me saouler après. J'attends qu'elle... Voilà, c'est bon. Chemin vers l'est. Ok, donc hop hop hop, faut qu'on aille tout à l'est. Mais j'y suis allé de toute façon, il y avait rien du tout. Comment on va pouvoir faire? Alors je sauvegarde un petit coup. Elles sont rapides les sauvegardes, ça c'est bien. Mais il n'y a pas de chemin à l'est. Qu'est-ce qu'il me dit? On peut pas marcher dans l'eau quand même. Non, on peut pas. Comment je peux faire? Toc toc toc, non plus, peut pas. Je descends peut-être. Mais là-haut non plus. J'ai dû louper un coffre quelque part. Ouais. Super. Comment je peux faire? Attends, l'est c'est bien à droite, on est bien d'accord. J'avais oublié un truc, c'est quoi ça? Oula! Oula, oula, oula! C'est quoi ça? Oula, oula! D'accord, ok. Non! C'est sérieux ça? Mais non! Ça fait que j'ai sauvegardé, heureusement. Allez. Voilà, toi c'est fait. De mourir.
Oh, j'ai eu peur. Passage ouvert, tuer des ennemis pour... Ok. En fait, c'est comme dans Zelda, on tue des ennemis et la voix se libère. Inventaire. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais. Franchement, bon, je peux pas dire qu'ils ont copié sur Zelda, mais une épée, une bombe et un arc. Un petit peu quand même. Ah ok, c'est quoi ça? Carte du monde. Ah oh, c'est stylé, j'ai une carte du monde. Ah oh, c'est sympa. Un coffre. Bataille tour par tour. Comment ça? Oula. Ah oh, c'est trop stylé. Pokémon le truc. Vas-y, attaque. Je vais mourir là. Ok, je vais fuir. Attendez. On va fuir. Oh lolo. C'est tombé le bordel, on ne savait même pas combien il avait de vie. Un nouveau coffre. Oh putain. Super. Non mais. Laissez-moi fuir. Oh c'est sympa. On change de monde. Ok. Presque aussi bien que Google Maps. Ah là, les noms de lieux on a. Les prairies. Et là on a quoi? Ah ok, ça ne me met pas. La prairie. Oh, c'est trop bien. Alors, waouh, 4 d'un coup. Ça va être dur ça. Y a pas un coffre. Petit point de sauvegarde qui fait plaisir. Je sens que je vais mourir. Je vais pas les toucher encore. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Pas de buisson, non. Bon, c'est parti. Je m'occupe déjà de lui. Voilà. Allez. Quoi? Mais c'est des conneries. Ou alors, peut-être que c'est quand je touche des ennemis, je meurs automatiquement. C'est probable. Bon. De toute façon, j'avais sauvegardé. Chance. Allez. Je vais rester loin. Oh les cons. Oh les cons. C'est chaud. Ok. Voilà. J'ai pas envie de mourir encore une fois. Oula, voilà. Encore un. Allez, allez, on le finit celui-là. Ok. Ah, en fait, il se retourne automatiquement. Allez, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Ouh, coffre ouvert. Ok, il est où? Je reçois. Je fais encore une sauvegarde, là. Ah, il est là. Alors, c'est quoi, là? Oh là là. Oh là là. Ah, c'est trop beau. Ah, je kiffe ce jeu. C'est trop stylé. Ah, par contre, j'ai plus d'épée. D'accord. Un PNJ. Oh putain, c'est stylé. Oh, par contre, la taille, on en parle. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Je suis pas un enfant, putain. Ok, ça, c'est quoi ça? Maison. Ok, je vais explorer un petit peu. Enfin, jouer avec les autres enfants. Mais arrêtez de dire que je suis un enfant, bordel. Je te défonce là. Sortir mon épée, tu vas voir. Ok, la porte elle est fermée. Je ne peux pas y entrer. À gauche, y'a quoi? Lui, qu'est-ce qu'il y a? Ok, super. Ah, toi t'es de ma taille. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Ah, t'as vu? Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Graine de croissance. Comme que j'ai trouvé est tombée dans le puits. Il fait noir là-dedans, je ne veux pas y aller. Oh là là, donc en fait faut que je trouve une crête de croissance si je veux devenir. Je pense que c'est ça. Un arbre, ok. Avec des pommes. On peut pas les prendre? Non. Un coffre. Vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Eh. C'est sympa. Ok, du coup c'est quoi ça? Un lit. Vrai, je peux dormir? Non. Non, je pense pas. Cheminée. Ça sert à quoi d'être ici?
d'ailleurs. Je n'ai même pas de nom, je sais pas comment on fait pour... J'ai 61 PV, d'accord. Je fais 8 d'attaque et... Ok, 0 de défense. Ah, un coffre. Vous pourrez toujours vous reposer... Ah! Ça c'est bien ça. Ah, mais t'es pas là tout à l'heure elle. Ah, je vais dormir un petit coup là. Non, on peut pas. Peut-être devant le lit, non, je sais pas. Main combat, bye. Ça n'a pas l'air très drôle. Ah, ok. On peut voir ce qu'il y a écrit, enfin, sur les étagères. Sauver le monde avec des héros de cristal par Sakaguchi. Pas besoin de ça. Alors le mec il a un droit, c'est... Ah, c'est pas des portes les lumières. D'accord, c'est des fenêtres. Ok. Oh, bon, on va lui parler à lui. Reposez-vous dans... C'est seulement 0 glyphes. Allez, 0 glyphes. C'est parfait. Du coup, on est la nuit. Non. Ouais, on sauvegarde. Et bah, vous savez quoi, je vais vous laisser là. Franchement, ce jeu, je pense que... Bah, je pense que je vais le faire en let's play. Franchement, il... Ouais, j'ai envie de le continuer. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oublie pas le petit j'aime qui fait plaisir, moi ça me fait très plaisir de faire ce jeu là, Evoland. Il est à 10€ sur Steam, je le rappelle, et franchement il est pas très cher, je le répète. Merci d'avoir regardé, partagez la vidéo, abonnez-vous, vous pouvez rejoindre ma page Facebook aussi, je vais le mettre dans la description, et à bientôt, salut.